Ah, então tem mamãe, tem outro. Maruru mãe tem, me diz, vai tentar te fazer reit mandeira, fazer mãe tapo no terfa. E mãe tem tato e tem uma api. É, não atu pai é mahana piti, mahana turu, é tu é apopo tatatu, tu é roa, tu é antere, tu é tu é ohipa. Maruru mãe tem lá, tu tato fazer reit, tu é fazer mãe oi, tem mahana nei. E tei te mehoro ona lenai ke tei omai tei o tatatu mumanini lenai ki yorana. Yorana Mario, yorana à vous et bienvenue sur la première dans votre émission Farema Ohi. Aujourd'hui, jeudi 17 janvier, nous serons avec Jacques Martel, auteur du livre Le Grand Dictionnaire des Malaises et Maladies. Il est maître Reiki, il est arrivé à Tahiti hier et il est là pour donner une série de conférences, d'ateliers et de séminaires. Et la première conférence aura lieu demain. Elle s'intitule Outils d'intégration et de transformation et ce sera à l'hôtel Manava à partir de 18h30. Jean Vaimeho sera également notre invité aujourd'hui. Avec lui, on va parler de l'association SOS Suicide. On va faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et puis de leur projet en 2013. Pour les informations tout à l'heure, nous serons avec Chiquita Teiva d'Arouzès et puis Vahina Alain et Harold Toupou qui représentent l'association familiale catholique de Polynésie française vont nous présenter cette association et parler un petit peu de leur mission et de leur objectif. Jean-Yves Lutat sera lui aussi avec nous. François Ellis, un petit peu par procuration puisqu'hier Mario est allé le voir et l'a interviewé dans le cadre de la semaine du théâtre. Nous allons donc parler de Papa Pénou et Mama Roro qui sera rediffusé demain soir sur nos ondes. Jacqueline Liénard et André Tahimanar y seront aussi avec nous dans le cadre de la journée pour la vie. Il y a cette association qui a été invitée, donc l'association Vivre sans drogue. Là aussi on va parler de leur actualité, de leur projet et de la prévention qu'ils font tout au long de l'année. Oyama, ite iho pe hepita mane, hevene ti te fan hona te fainei ne hia tatatu ia nau manini matamoro e fari mai i te te me te tua matamo. Tauraro, je, kwacho te mai ki tapa e te pari ia, unga ua. Vahina et Harold, bonjour. Bonjour. Très bonne année à vous. On peut encore donner nos vœux hein, jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc l'association familiale catholique, c'est une association qui existe en Polynésie, mais en fait partout où il y a les confessions catholiques. Alors l'association familiale catholique est une association d'abord laïque. Donc parce qu'on dit catholique, souvent on pense que c'est catholique, oui. De l'église catholique, non. On est là, c'est une association laïque qui a été créée en 1974, ça fait bientôt 39 ans. Et donc, on est là pour protéger toutes les familles. Oui, quelles qu'elles soient, qu'elles soient catholiques, protestantes ou sans religion. Hein. Voilà. Donc, vous les protégez de quelle manière? Vous avez des formations à leur proposer, des aides de quel type? Alors, il y a différentes façons de protéger la famille. D'abord, hein, dans la mission de l'AFC, c'est d'abord valoriser la famille. Parce que là, on parle de la famille, souvent, hein, c'est la catastrophe, il y a tout qui tombe sur la famille, avec les grandes questions fondamentales qu'il y a sur la famille. Donc, on est là d'abord pour valoriser qu'il existe des belles choses dans la famille et que la famille est une valeur à protéger. C'est une valeur qui s'apprend aussi. Donc on parle de respect dans ce cas-là, oui, on parle de quoi d'autre? De confiance? On parle de respect, on parle de confiance, tous les thèmes comme l'éducation, la place des parents, on parle aussi... La place des enfants? La place des enfants, bien sûr. On a l'impression que des fois les enfants ne savent pas trop où est leur place. Vous leur donnez des clés aux parents justement pour appréhender un petit peu les différents passages de la vie. On sait que, par exemple, l'adolescence est un moment très, très difficile pour tout le monde, aussi bien pour les enfants que pour les parents, parce qu'on ne sait pas trop comment réagir. Oui. Est-ce que vous avez des clés à proposer? Alors, il y a, sur demande, hein, des déplacements que nous faisons avec l'équipe, souvent dans les paroisses, dans les associations, pour pouvoir traiter de différents sujets que les personnes ont choisi de traiter. Ça peut être, là, on est dans le cadre de la protection de la vie, par exemple. Ça peut être sur l'avortement, ça peut être sur le mariage, ça peut être sur l'éducation, ça peut être aussi des chantiers éducation pour la rencontre des familles et pour pouvoir partager aussi ce que je fais dans ma famille, ce que je fais avec mes enfants, ce que je fais avec mon époux, avec mon épouse, et comment je fais pour arriver à épanouir ma famille. L'AFC est aussi là pour être ce relais. Mais dans le cadre de l'AFC, il y a aussi des choses que l'on fait que l'on ne voit pas, comme par exemple aller vers les représentants, les dirigeants politiques, pour dire, voilà,
attention, ouvrez les yeux, les familles, parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des lois qui se passent. Et nous, on est là pour informer, on est un peu l'œil. Le relais de ce que vivent les familles au quotidien. Donc par exemple, il y a un souci en particulier, vous allez intervenir auprès des politiques pour leur demander quels sont leurs projets par rapport à ça. Quels sont leurs projets par rapport à ces questions de société souvent. Voilà. Pour faire partie de cette association, là aussi, pas besoin d'être catholique, n'importe qui peut rejoindre votre association. N'importe qui, toutes les personnes qui sont là pour œuvrer pour le bien des familles. Voilà. D'accord. Donc, on a notre siège à Punavia, à Outumoro. On peut dire aussi que le bureau, nous avons un bureau qui est élu et qui reste pendant 3 ans. Et alors, vous allez participer à la Journée pour la vie. On avait reçu un des coordinateurs lundi dernier. La Journée pour la vie, ce sera ce samedi. Et ce sera l'occasion aussi pour vous, justement, de présenter l'association, de présenter vos missions. Oui. Donc, la prochaine, là, c'est celle qui va se passer samedi, c'est-à-dire réunir un petit peu toutes les familles, leur donner votre sentiment là-dessus. Vous avez un bureau où on peut aller vous voir si on a des difficultés à la maison. Vous avez des heures d'ouverture. Oui, alors, on a le siège. Alors, le téléphone, c'est le 41 25 36, qui se trouve au siège qui est à Punavia, en face de Otomoro côté montagne. C'est facile à trouver. Certainement des personnes connaissent le diacre Maréré. C'est juste à côté. C'est juste à côté. J'ai un souci à la maison, je peux venir vous voir et vous demander conseil. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et il y a aussi un numéro que je n'avais pas donné à notre script, donc vous n'allez pas le voir s'afficher. En revanche, vous pouvez le noter à la maison. 73 30 73, ça c'est le numéro du président de l'association. Et autrement, rendez-vous samedi, donc pour la Journée pour la vie. Ça commencera à 9h du matin. Il y a plusieurs associations qui seront sur place, notamment l'association familiale catholique qui vous attend là-bas. Merci. Perwane no teoran a utua fore, perwane no te fofu a, orera, perwane no te tupifi tarato farede ne itu mumhana tu. No te tapi ora, orera, tu mau fifi, ewe ne no te utua fore no te perwane no tarau. Tewe ne tu mato tino, echane no te itu mau tomi te ato. Tewe ne no te tamato taatila tu mau tino ato ewe ne no te itu mau taatila. E faro tu rou te iepu tau tu ti punavia. Tewe ra, te riamo. Te pu evere punavia tira tu ia afano Outumor. Te niu niu mea te niu niu no te pura te maharu maha web te haru mapae toru haru mau te perikiteni te numera te perikiteni hitu haru matoru toru haru hitu haru matoru tera mau hoi ora mitipe marwana matuwa mitipe ue te veira te te fifi utuwa fore te matarara i a oe tatara nene harme varere i otau te dira te dira hoa te whahin aruhiara tu ma utuwa fore huara te veira te fifi me te veira tarato hepo hepo ora mea tu ma hepo hepo tarato farerira nene ratu harme rutu itpu na te titahia tino e mai iti hira tu i taua pura na ratu e aratai ya mata ratu fifi itu ratu ora ya no te mer tra proper ura mau haro na ora i oto to pra fifi ta apo te te i oto ritu ratu na ratu pe ye imitera we ere menari da itu puti ti tau ara para te di ra ho ho ora mana tau ara para e fan ora ho e ta pro hipa papu no te ara te ai tau utu apo rera ani te ye ta ati ratu ta to ya mu itu atu to te ye mahana ma promo te mahana ma itu pu e fan ora rai Oi ho ia. Yo ai ni tau wa vai ete. Vai ete. Te mene tu mo
wahai fanoi ano te amar mar mar atu tua pore rutu itu mo fifi tara to fare reira pe awane no te onhuir a pe awane no te hofu atara tu e nei prom na rutu itu ututuru am ai a aurera rutu te tuluta te mene ti te mutino narato yar ta itire mo e Orto itu mau. Horaha oto, horaha oto amu ya. Hamata te horab au. Fari oto wa. Fari je tu iratira chorai wa. Ha? Hamata ramato i chorab au noto noto temu kanyi nira. Fari mato itu mau ata ato horai wa. Mi chorai wa hari wa tu horah hor tu po. Fa oti tu etama tu fa naora. Noto me horap pa jei hei. Hamata ya te tai ta ahira. Te wera tu mo wahai whanahoia, no ke tahira amai te ia mo whea, e taro atu i te wahai whanahoia, no te tauruara. Trahi. Ta, maruru mai te, ara mai tau aparau ni te tumu parau, no te taturu raho ai tō tato horara a tato i tei. Paramo, te ni. Maruru mai te. Ere whaat me ohi. Ere whaat me ohi, e mirai tarawe, ha? Ara tato ni e te piti o tato manini, te whanahoia na tato, no te ia hora nei, oi hoi parau ia no te e hauti, te a ta tata ora, Papa Benu, Mama Roro, Tawima. Eh oui, le temps passe tellement vite, hein, on n'a pas le temps de tout dire. Mais en tout cas, retrouvez-les ce samedi. On espère aussi qu'il y aura du temps, on va commander. Hein. Jean-Yves, bonjour. Bonjour et bonne année tout le monde. Hein. Oui, bonne année à toi aussi. C'est encore possible. Hein. Ah ben bien sûr, on a jusqu'à fin janvier, comme on dit tout le temps. Hein. Exactement. Même pour le sapin Noël, il y en a qui le gardent toute l'année, tu sais, les décorations. Donc nous, on peut aussi se souhaiter une bonne année. Alors Jean-Yves, toi tu joues le rôle de Taouté dans la pièce de Makoté Vané, Papa Pénou, Mama Roro. Ah, ouais. Elle était déjà en programmation sur la première. Ah ben oui, il pleut sur le plateau, c'est bon signe. C'est en live. Hein. Voilà, c'est en live. C'est comme ça, on est sur la terrasse, hein, c'est pour ça. Et quelles sont les anecdotes qui te viennent à l'esprit quand vous vous êtes préparé avant la pièce, parce que vous l'avez joué au Petit Théâtre plusieurs fois. Quels sont les premiers souvenirs comme ça qui te viennent à l'esprit? Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Mama Roro. François Ellis, avant chaque représentation, il nous met à l'aise. Il joue. Oui, parce que lui, il a l'habitude de la scène, ce qui n'était pas ton cas, parce que la première fois que tu jouais exactement, ce rôle. Exactement. Ou un rôle même sur une pièce. Ouais, parce que la première fois que j'ai joué, hein, j'ai tremblé comme un. Après, ça c'était. Hein. Et après, on a, le stress s'en va vite. Ah, ça c'est sûr. C'est avec le public aussi, hein. Quand tu ressens le public quand tu joues, ça y est, ça aide. Voilà, ça aide. C'est toujours là. Tous les soirs, c'est pareil. Hein. Là, quand tu commences, tu as le trac après. Quand le public suit, ben, c'est bon, super. Et alors, le public était toujours présent. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que vous aviez des popas avec vous, donc des métropolitains qui ne parlent pas du tout la langue tahitienne, parce que la pièce était jouée en tahitien. Oh, oui, alors, il y avait Mario et toi, vous aviez quelques petits mots comme ça en français, mais toute la pièce était en tahitien. Oui, oui. Il y avait certains soirs, il y avait quelques popas qui me disaient, comme on sortait, hein, pour les saluer, ils me disaient... Je comprends pas le tahitien, mais j'ai tout compris l'historique. Bon, tant mieux. Hein. C'était l'essentiel. Et oui. Puis alors, il y a des fois, on va dire un petit secret. Là, il y avait des fois, François, il tapait pour de vrai. Aïe, hein. aïe. Maman Roro, moi, je voyais, il y avait des traces de mains sur Papa Pénou. Oui, parce que des fois, quand il tapait Maman Roro, et puis au lieu de taper là, ça va jusque là. Après, je l'entends. Non, clairement, il était. Ah, ouais, voilà. Donc il se fâchait réellement. Alors il se fâchait après Papa Pinou, après Mario et après moi. Qui est Papa Tétou? Ouais, Papa Tétou plutôt. Et Taouté. Voilà. Des fois, quand je tombais par terre, il y va, il arrête. Bon, mais vous restiez quand même soudés, c'est-à-dire qu'il y avait des moments comme ça le stress faisait que peut-être la colère était sur place, mais les gens en fait ne s'en rendaient pas compte dans le public. Oui, oui, exactement. Et puis comme ça raconte l'histoire d'un couple qui se dispute, au fond c'était un peu normal. C'est tout à fait normal, hein. on joue, c'est comme si c'est... Hein.
C'est tous les soirs. C'est... En plus, tous les soirs, ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est... C'était toujours différent chaque soir. Toujours différent. Ben, si vous n'avez pas vu cette pièce au Petit Théâtre, sachez que demain soir, après les informations, donc à 19h40, vous allez pouvoir voir Papa Pénou, Mama Roro. Et alors, on vous fait en plus un cadeau. C'est que cette pièce qui était jouée en langue tahitienne uniquement au Petit Théâtre de la Maison de la Culture sera sous-titrée. Donc, ceux qui ne comprennent pas pourront comprendre toutes les subtilités du langage. Merci. Super. Jean-Yves. Merci. Attendez. Hey. Mete roa oi. Tatato ia faro mai tenei ia mama roro o iho i mato mai te hitato frasho a elis hui hui atu e au i ana naida tatato i faro mai tra mai aita e wahauti mai na wahauti mai na si te mahauti rana muatu e te mo pro hipa no te arere a nahi e ke pro nahi e kura wa haru o te hapi anu tra tu tu a oipa teata hauti teata aita Ai taro, mana o e tiro tono te tata, te whanau ahia mai hewa te e tō ari ari ai te whainua ai... Ua, roto ora ai te mō matahi te e hamatama e te prono te ata tata ora. Au amau ti te e parahate te a mea... John? John Mayday. I hamatama e, i ria chamatara ama ia, te prono ke te ata tata ora, te manu tāne tamato i hau ti mai e... Amu mata e muri mai, menarira, menarira te e upai, harame e upai e parau, o te ata tata ora. E anō, nahi prone, te vai fifi, nye tra muti ara. Tamo aura e te parau, te rea mea? E, te rea. Tamo aura. Tamo aura e te tai ora, tamau. Tamo au e te mea fau arheiro te tai me parau e hauti e. E, ia pa iwa emi ahi te parau. Kolom iro hoa pa iti mea te parau e. E, hauti nai au e te tata, me tari hauti nai mamaroro, o mamaroro i hoa. Ai tapa iwa ina aura e ama. E whare hua mea mai, hoi au mātu utu āwhare. E tara hoi, mamaro. E hauti. E hauti tara. Tara. Te rua, e nihi o harero i roto roi tara mama, tara mamaroro. E, me te mamaroro, mamaroro, me te mea tata iria, tata iria. Me te mea... E ri? E, mena rira. E i auto ora, auto. E ti teite mei, ia tango te... Tara, ia tango pe si tūreira, tiaugira. E nene e hoa oe, e maro i moteite. E iri a hoa ahuru. Haru te wira. E haru te wira. E haru te wira. Na mamaroro te rira. E I tai hoa papa penu te tawi. O ia. Ina pōra. E piti mele ti vavahi e ana. Ari aho ie e una mele te. Na mele ti hopi ana hoi tai e. Ahoru ma piti. Ahoru ma piti. E te whare nein e tatatu. E te whare tahu tinu. E piti aru. E piti aru. E rute te. E piti e te mene. Tene. Mi tāu pranturo i aue, me maoro e tēne tui tera ohipa. Te veira vai te mo to hoane, mo whiti, te haramaira propuru i aue kura in aroro mātou hapi te e mo ohipa. E, te veira, te veira, me haia. Tara hoa ui a mātāmua, me nā haia ue i hare e hauti e te ohipa i hea mātouni ne e hauti to. O te hare i te whare te hauti nui. Te veira. Nā hiu e brutu te mūtei me whawhaera a hapira, te vera te iemu para... Hapira? Hapira, no, e rau tihia mai, e te vere tuara te ite aeto tatu ia mea, ia rafi o mā, e rau ere i tui ti pērui. Te iem hana, nene tatu e parau e hapi, hapi te hipa te tatu, ara nene. Nene. E orera e pi te rā mō tātai papa inei, te vere vete mō tātai papa inei te ai, ia patiri ka maruma. Te rea? Tra anō, te tō, te tātai hauti. Tātai hauti. E tātou ti te fifi tō tātou, te paru no te papa ia. Tau te mea mea aero ia parau nei te parau hauti. Te weira te tei hauti whainere hia maira? E, tine mātou te parano te tei ora, te pitipe o te tuha,
te ye mea pepe a hoore o papapenu ma maroro, te ye ye hau ti ane. Te piti, te hunu a mana o ore ia. Ah, ia tau fatia. Ia tau fatia, ena muri mai te ia hipa. Ia mua e tai hoa pe tara temi proiatu. Harerai matei tei. Harerai matei tei. Hane meira, ha? Te ria toa, tau toa I te tene te huira atira. Te anahata, anahata pa I tene ia. Lo te mea, mea rahiru oro te awhatatea tau, te pranu te arerea. Mau, mau, te anahata o te huira atira. Te ria te hina aloia. Hane roi te teite me pahono o te huira atira. Arohata parahi o papapenu. Arohata parahi, Mamaroro a whalpu e. Whae I tote, trao pae whanhaur, ae tau tera me muni I pai a. I te ore, te narira tohi ara pai tu tua whare. E I hei o nā, o e, hatatari trao hauti tā papapenu rao mamaroro, e tanu tanu I rei te hupe tupuno ane o tato ua. E tanu tanu I tanu ro. E tanu ro. E riro o tra, tra te fofa arei o te parau tia tātātaura. Nenei tō pai era vai mai e moiha, e no te whahi o rai te hupai tupura, tui tō tātūra rai te mōmāna tō, e tarari iho, e te veira a, te tai ora te itera tātū te mōhupai tupune iru tui te whenua, te veira e me inoro tō atu. Ia nenei tātō e hoata mea, ia riro te hautira e moiha, whaitera ai ai harero iho, metra ia nenei tātō e atano te ia paparau, te ria. Kura, opani rora no te mea totao hoa taute, rau ole nai kere tere I te whare maoi, ki mire e tau e poro I tau e tarana tātou. E, ai tātou I e whaitu I tumai no te mea I ha I hoitu ma maroro wa tahi au e. E, au taute o papa pe ni o tētu me taparai I oa. E, e tuto wai wahi ono I au mitara. Uite, e whine te e mana, e te ara mana tōtō te whine, whātura mai. Ai tāna amba, hapari mai. Tura. Uia, maruru mai dai, mamaroro, au pinohi e mātou kura. Traia, te teitu hua atara, hamanau ia tātou aranheipo, te area no te hora hitu e te awha mairiri I tua, iau titu mōpura wapi na whrani. Hapururu whahu ia tuai teine hoa, no nia ia papapainu raua mamaroro, aranheipo ia mohi. Tau I tātou, te tātou momoneni, ungawa, taui mai, te topara te ua. Ouais, t'as raison, t'es topa, t'es où, c'est ça? Ouais. Voilà, il pleut, ben, ça on l'avait remarqué, même sur notre plateau il pleut. Jacqueline, bonjour, André, bonjour. Bonjour, Enaïk. Alors, l'association, vous êtes, Jacqueline, fondatrice de la chaîne de solidarité Relais Parents et vous êtes aussi la présidente de l'association Vivre sans drogue. Cette année 2012 a été une bonne année? On va dire une très bonne année puisqu'on a eu, on a été riche en prévention. On a fait pas mal de collèges, pas mal de lycées. On a surtout fait les journées éco-citoyennes de Réatea qui nous a permis de créer un partenariat avec cette association, Renuatea, Sauvons la planète en musique. Mmh. Et d'ailleurs, le projet de 2013, ça va être une grande marche, un tableau vivant en plein centre-ville. On va démarrer de la place Veitavatava jusqu'à la place Toata et Bougainville, un dernier, pour finir par un concert de voilà. Meire Tavayari. Ça, ce sera le 22 février. 22 février. Vous reviendrez sur notre plateau pour nous le rappeler. Ce samedi, vous allez vous aussi être présent à la journée pour la vie, organisée par une association catholique, hein, on peut dire ça comme ça, c'est le collectif polynésien pour la vie, j'étais en train de chercher le nom. Vous allez en profiter pour présenter toutes vos actions, remercier les sponsors. J'ai vu aussi sur votre actualité sur le site que vous aviez eu des cadeaux à Noël. Ah oui, on a eu des beaux cadeaux. QBE nous a financé donc les projets qu'on va mettre en place prochainement et surtout des tests salivaires. Donc on va faire venir un stock de tests salivaires. Et Mana nous a offert hier aussi la Mana Box et en plus un chèque qui va nous permettre de mettre en place le projet Tableau Vivant. Voilà. C'est assez rare pour le signaler parce qu'il y a très peu d'associations qui reçoivent autant de cadeaux que vous. Comment vous l'expliquez? C'est parce que vous faites beaucoup de choses. On va dire comme dans la pub, on le vaut bien parce qu'on a beaucoup travaillé toute cette année, l'année dernière. Et donc cette année c'est reparti parce que dès la semaine prochaine on est au lycée Taoné, donc ça va être encore, je crois que c'est bien mérité. Quand vous faites des préventions comme ça dans les établissements scolaires ou dans les centres de vacances, quelles sont les questions que vous posent les enfants?
Alors, ils n'ont pas trop le temps de nous poser des questions parce qu'on leur fait la présentation. Et après, c'est nous qui posons des questions pour savoir s'ils ont bien perçu. Mmh. Voilà. Donc, mais les questions qu'ils nous posent, généralement, ils n'en ont pas besoin puisqu'on a, on a tout décrit. Pendant tout au long de la prévention, ils ont tout compris, tout défini, voilà quoi. Et normalement, ils ne devraient pas y toucher donc. Alors, ne pas y toucher, c'est difficile parce que la majorité des jeunes qu'on rencontre, c'est des jeunes qui sont déjà consommateurs. Donc maintenant, on leur donne les moyens de renforcer le mental pour qu'ils se dégagent un petit peu dessus. Déjà, la prise de conscience. Hein. Mmh. On ne peut pas être libre si on ne sait pas ce qu'on fait. Le fait de savoir ce qu'on fait permet déjà de mettre un pied vers la sortie. Est-ce que ce type de discours fonctionne sur les enfants? Vous voyez de toutes sortes d'enfants, de tous âges, je veux dire. On a un discours tout simple. Et le fait d'expliquer, d'avoir une prévention très simple, ils comprennent comment ils deviennent esclaves. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir comment on tombe dans l'esclavage, dans l'addiction de produits. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Mmh. Donc déjà là, ils sont très surpris parce que c'est très simple, hein. Et ensuite, ça va de pair. Ils se disent, bon, on va essayer. On connaît le temps d'élimination des produits. On apprend à connaître le temps. Donc, en connaissant le temps d'élimination... Vous leur expliquez, par exemple, quand vous avez déjà fumé ou quand vous prenez une autre drogue, il y a un temps... Il y a un temps d'élimination dans le corps. Qui va apporter tel ou tel autre symptôme. Voilà. C'est normal, il faut continuer, c'est normal. En fait. Voilà, on les rassure un petit peu pour leur montrer que, bon, on peut y arriver. Il suffit de renforcer son mental par du sport. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup le sport. Par l'occupation dans des travaux manuels aussi. D'accord. Parce que de mettre son esprit dans quelque chose de créatif peuvent aider beaucoup les jeunes à se sortir de là, se valoriser, quoi. Retrouver l'estime d'eux. Et votre association est dans un quartier justement sensible. Alors on a de la chance d'avoir à disposition la maison associative de Faa, que la mairie de Faa nous met à disposition. C'est très bien. On a Mana qui nous aide énormément avec tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc n'importe qui peut aller vous voir. Oui, tout à fait. Au même titre que l'association familiale catholique qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, on les a parents des comme les enfants. Voilà. Hein. On a des écoutes avec les parents régulièrement. Donc je suis appelée, je fais aussi les sorties à Jean-Prince, je vais aussi rencontrer quand il y a des perquisitions dans les maisons. J'accompagne les parents parce qu'ils sont émotivement très pris. Quoi. D'accord. Voilà. Alors, deux numéros de téléphone, 82 82 82 pour l'association Vivre sans drogue. Il y a également une page Facebook, c'est ASSVSD. Vous allez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook et puis un autre numéro de téléphone, le 77 89 16. Merci. Merci Nini. Oye, farimo itatu tene, Andre, taimana iruto pui tatu, Andre, yorana namo. Yorana mario. Maruru maite. Ani, nahe prou, tatira oto, Nene prou iruto itine tatira, te topo hie te otaturu mene oya. Te ye tatira pe hie tone ua vivre sans drogue, paruru pa it prou te avat ero. Te rauru atumo avat ero, atu oi vene iyo tatu ne, naria tau ia prou. Oia mo. Andre, te hamo rame oto te tatira, no teme te itenuar oto, pauro te teme. Non et materia naria tau ye pro. Nene ha maruru te mo te te mo he pro te ye assurance QBE te pro wat o te ye te mana no te mea te iti na ratu mo hupa ta mato e rovera e nartu i tarato mo tauturu e nu a hua ta mato mo anhora nartu i pro te roira ne nartu i pro te tauturu te muni no te mea nartu i te muni e tu hi mai tu te ta atira nene mato e fan o te te atua mo tohia te i mo te iti harmai
meira te mot het api te mon ora mato e o mei te mot ta o prohina to tro pa test salive not me ye hi ona ta to dit ata ite ta to ta ta o te o re pubui ate ta to ta to ite mo ite mei te narto ro te ma te ni ro te mo ta o ne ne ite hi at mot ata e ro bene te mo avat ero not me botri mato it mo ro to it mo fre hapira o ite mato te hu pero hera irapa e irapa houda to hardue eto motue eto ta to hapira e mitpo me mitmo mitpo wa te mato e ro we te fan hora te itera mato te ino eno amair to ite motomori ai te hapo tapit a fatau vare ato to e fi e tina nen hera to ridi mai ai te ta he no te ha nuria mato hin aro e ture wa hua te motheti narto ite fan hora e te we nei ho e fan hora ta to te au e ave fi puore fi puore mana pa piti huruma piti no fi puore te fan hora na te ta ati ra enu ya te no re te narato e i fa i mana mai te mana e tau tru atu e mato i mei te heti nei e rewe atu aratu i te imo whanora e rato i te mumutu e te i mana pep te huruma no te awa no februari e fatu pui te te ahir a tu i te moaroa nei te uire mai pira e hama i pop e te no te eu pe mi te ipe ata te ata ora ata tato i mate te hino ma maroro ma fa hu te mo ferurir a te mo ta ata pubui nei, mo ta ata ore pubui, e ato rato whirui, a iau rato, ia wharere rato. Trat whaata mato, e te whamata mua, o te matahiti api. Tia, maruru mai tei, Andre, te aura hei mei tato ni, tera tumu paru te awa e whee puare, ha? No te whahu au ara ara, no te me wharo turo iana te paru rama ie, hamata mai na taunu o vai tawa tawa, hare tia mai rutoi te oire no kupete. E rutoi te mo whanhor a hare hi ara e mato, te ie taati ra viva sandro, e o hato mato rutoi te ie opuara aro hi ara te ie mahana maa, har maira. E, te ie tahir a, ta te tarita tatruita? Te ie tahir a, whanho ato mato te te mo eira maa i hare mai te mo tate wharere mato, e mato tau atu hare wharere rato. E tua tapapa te parau. Ia pa e mātou no te taatir a e te tepe te mō portita ane e aurea te mō etaretia. Ia amui rā, ia tū te mono no te paturu, no te tinei te e hupa. Hapapura e tātou, te nā manhini e tōpiti, ia o tō mana au e tau te rato, eita. Tā rātou rā, uha aputuputu rātou, ti te mō mero rato ho e taatir a, ane pa ewe te mō mana au e, ia. Uhare tau te roratu. Aita, te whaero hatu mon tau te harame ne tauturu i auto, Andre? Te whaera te mon tau te harame tauturu, e iwan a rato. Te reira, ai te pei tō rato mō ite, e tuhi ara, e patruhi ara, no te tauturu i mātou. Tauturu tō mai rara rato i auto. Te tauturu reiro mena i rato. Maruru mai te, Andre? Maruru Mario. Maruru mai te tō tato wharere rā, te harera tato ni, e tatato vea no te ikora tauraro, tamu mai. Voilà, il est 11h35 et c'est l'heure de retrouver les informations. Le journal en français tout de suite avec Chiquita Teiva Darouzès. Bonjour Chiquita. Bonjour les Nike, bonjour tout le monde. Et bonne année. Oui, bonne année. Et pour on commence la flash. Voilà. Nous partons donc à la presqu'île à Tarawa, plus précisément. Les finances de l'hôpital sont apparemment dans le rouge. Les infirmiers et aides-soignants, 106 au total, menacent de fermer temporairement lundi de 8h à 10h du matin. Ils réclament à la CPS le paiement de leurs heures supplémentaires depuis donc juillet dernier. Un sujet qui sera longuement développé en détail dans votre journal de ce soir. Voilà, et puis on parle maîtrise de dépenses de santé, un gros dossier. Eh bien, deux ans après son adoption par l'Assemblée de Polynésie, la loi de pays relative à la maîtrise des dépenses de santé oblige les pharmaciens à proposer à leurs clients des médicaments génériques. Le recours contre cette loi déposée par les médecins devant le Conseil d'État a été rejeté. Les précisions de Natacha Silagi et Léopold Tefatou. Est-ce que tu veux prendre le médicament générique pour le méganylase ou pas? Non. Non, je ne prends pas le générique. C'est pas gagné. Si la loi oblige désormais les pharmaciens à proposer le médicament générique, copie du Princeps, traduisez l'original, les malades sont loin d'être convaincus de son efficacité. Bah, la metformine qui est bien connue, c'est pour le diabète. Vous pensez que les médicaments originaux soignent mieux? Oui, oui, je trouve. Parce qu'il y a quand même... Moi, j'ai vu avec mon médecin traitant... Il me dit de ne pas prendre les génériques. Il le marque d'ailleurs sur mon... Alors,
je ne prends pas le générique. Par contre, c'est pas quelque chose de bénin, c'est quelque chose d'assez grave. J'ai plus confiance. En médicaments Princeps, d'accord. Pourtant, les pharmaciens défendent l'idée d'une économie de santé sans risque grâce aux médicaments génériques. Ça, c'est le générique de l'Augmentin. Donc, ils n'auraient pas eu l'autorisation de mise sur le marché, on ne pourrait pas les substituer s'ils n'avaient pas la même activité. Donc pour moi, c'est la même molécule, la même activité, la même forme galénique, donc la même pharmacocinétique. Pour moi, je trouve que ce sont des équivalents et ça a été prouvé scientifiquement. Certains médecins spécialistes refusent pourtant de le prescrire. Les antiépileptiques, par exemple, sont boycottés par les neurologues du territoire. Reste au médecin la mention NS, ou non substituable, pour imposer la délivrance du médicament original, en accord avec l'Académie de médecine qui met en doute l'efficacité des génériques. Il n'y a pas que l'Académie, justement, il y a de plus en plus d'études qui remettent en doute ou en cause la qualité ou l'efficacité réelle de ces génériques. C'est un débat à suivre et je pense que si l'Académie de médecine le dit, elle ne doit pas avoir tort. La nouvelle loi prévoit malgré tout que les médecins prescrivent les 420 génériques importés par le laboratoire qui a le monopole en Polynésie. La CPS espère ainsi réaliser 1 milliard d'économies. Si le consommateur exige le médicament original, il devra payer la différence sur la base du prix du générique. Et puis on revient sur ce qu'ont vécu les enfants de la saga il y a quelques jours. Tout à fait. La semaine dernière, une quarantaine d'enfants avaient été intoxiqués par des sandwichs au poulet. Le responsable de la saga, Doudou Cornet de Saint-Cyr, ainsi que les parents, ne souhaitent pas porter plainte contre le traiteur déjà lourdement accusé de négligence. Une enquête sanitaire est en cours pour déterminer l'origine du staphylocoque. S'il s'avère provenir du traiteur, la CPS risque de lui réclamer le paiement des frais d'hospitalisation de tous les enfants, estimés à plusieurs millions de francs pacifiques. Doudou de Saint-Cyr répond à la Itemori et Mirko Van Fou. Nous, on fait partie des gens qui ont touché, qui ont eu des dommages collatéraux, parce qu'on est aussi des victimes dans cette affaire. On se serait bien passé de ce genre de problème. On a eu un devis d'un prestataire qu'on a mis évidemment en concurrence avec, entre autres, avec la cuisine centrale de Papété, avec qui on travaille aussi. Et dans le cadre du suivi de la saga, bien évidemment, à chaque fois, on fait faire des casse-routes, donc par des gens de l'extérieur et puis par un patenté, par quelqu'un qui a une patente. Donc, d'ailleurs, pour nous, il était évident que ces personnes sont en règle et on se rend compte aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, eh bien, ils n'avaient pas été contrôlés, qu'ils n'avaient pas eu d'agrément. Et nous, on souhaiterait que sur chaque fois qu'on s'adresse à un patenté, qu'il puisse y avoir une espèce de validation des services, qu'on soit rassuré. Et puis changement de registre commercial maintenant. Bref, le Conseil des ministres a rendu hier un délibéré sur un projet de loi qui encadre désormais les ventes pyramidales en Polynésie. Toute tentative d'escroquerie sera donc pénalement punie de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 44 millions de francs pacifiques. Oui, et puis une bonne nouvelle dans ce journal, la rénovation des restaurants de Toata a enfin commencé. Eh bien, 8 mois après l'incendie qui a ravagé les toitures des 5 restaurants de Toata, les agents techniques de l'équipement ont enfin démarré la rénovation lundi. 4 mois de travaux sont prévus. Les toitures seront refaites entièrement en pandanus. Coût de l'opération donc 23 millions de francs pacifiques. 18 millions seront pris en charge par les assurances, 5 millions par le pays. Voilà, et pour terminer ce journal, on reparle du 10e FIFO. Je dis on reparle parce qu'on en avait parlé déjà lundi. Et ils ont des manifestations en amont du festival et aujourd'hui a eu lieu la conférence de presse. Tout à fait. Donc la conférence de presse a présenté ce matin les films qui seront en compétition, qui seront donc examinés par le comité et les jurys. Donc des productions venues d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Calédonie, Vanuatu, mais aussi d'Allemagne. 15 films seront donc en compétition, 19 hors concours. Le FIFO 2013, je le rappelle, se déroulera du 11 au 17 février à la Maison de la Culture. Et le jury sera présidé cette année par Greg Germain. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie d'avoir suivi. Merci Chiquita, c'était le journal de la rédaction et on la retrouve tout de suite pour le VA Poteau. Voici les informations en langue tahitienne. Chiquita,
Oye, fa no ra ta uru to te yetu a pro no te e no te me ya no pone ma te horo ta ta tu no to yete pro no te mura au e ho hi ne to mo fre ho ra au se no mo piti mathai ti muri mai ya te ma ti ra hiate te upor ature ya e te hau fenu ya fa ti hi mai cha ma war a te fare turu ta te fa we ne te ture I te mau fare ra au ya ho ye te mura au mono tra ture te hurohia e te mau taute wa half of our hiara e te ap or a hanui te me te tatrar a Lorenzo Marama ra wali of politifatu te fa mata mua o te mau ra au oi hoi te fa to par aia te moni ho I te mea hoi e te ira rori I to ratu moni e iti at o mai a te pau I ta fatatu ruta ra wera hira mauman on te rai titora in e te faufa e te mai te o te mau ra au rapa au Trara au no mea genere e protu tō te hera wei. E ke tumu? Ai tu I te me pro ona I whoro e pas e roe hoa tra ra au mō hoa pe. Pro ona mi tra e tupu me ho e hipani hi au e I tōna responsable. Pro mau e ura hoa I atu mai trara a tipa I whaiti me te afta te atai a tia I papu me te itura e hoa e a huru mawane tu me te o te mura au. Norera e fifi hoa ia te mana o te tata e hatara tu e maiti. I te pē o te mawhatu a whare hoa rara au, aita te mana oi tua tapere perera. I te mea hoi e, e maura au te I o te I whare ihia e te pū a te ea te hau nui, te au rara, ura wahia mai a te mauhi opu ar aat oa, e te mo i vana. Tēnā ora o ia e, iau I honei ia, hoa e a huru, hoa e a whaan hora a, hoa e a mutua tapapara aira wahia mai, e hoa e a hapa pūra o te ia pupuhia mai ke ture, ai te I fifi. Iau te mau hapapura e mea tataroa. Ia whahuipahia te mura au, ini e hora I te feia mai a te iha. Mai te parau anei o te feia mai o mhachota e te vea tura. Te hapapura o te tau te Pascal e, ho e ahuru ravera, ho e ahuru whahuipara o te mura au e te ravera au te maura au tumu. Te vahita e no te nei e to ratou hamanira e te mau taua I tuhia I roto I te mura au. E iau te mauhi o puar a te pu ai wana o te ea o te whenua wharani, ai taro atu o ia I turu papu nei te whaohipara o te maura au api, te praura e, rawerahi o te maura au ai taro atu e whaupa anoa e, no te rapa aura I te whea mai. O xo tato I te rapa ai te hepe to me mere, ne o wharo tato I te imo te mori no te saga no aru hea, e haturu atu parau api. Hamono ra tatou, haru mai wa ratou tamar I, te utarohia I te wharim ai te hepeto mai meri e nei, te mhana te hapapone I dudu de Saint-Cyr te whaatere no te sagae, e ita o ia e te mau metua tamar I, e horo I te taata hamanima a I moe te ture, te retoa te ohipa I te titurotoror a, mai te mea e wha I te mau I hoa te hiopuar a e te taata hamanima a, te tumu te mo tamar I, a te erohia ai, e riro te wharitorot a I te ani iana, I a au fau ia te wharim ai o te mo tamar I te frap au hiet frim ai no taun. Te reru atura atra. Te ura pa e tunu mai te pai tata to mo mai e tunu ai ama mai te. I te ua I e fifi. I te paura I te prapu le fi me taro la mai amu noara. I ra pano me ama I roto moira. Me ova u te ua I o to ua. Ai te tei propoto non I te fan hot au turu la fatere hau. Te tap I te pano te tapi ora ta ya uhama te ap ora te mau fatre hau I nan heira te o ture no te mau ho ho ai rave hia nei te pe mau ho ho amari hi nei vente pyramidal e te ut oif auti hia no te feia e tavri no tu te mau ho ni traia pa matheti fore auri e em ha hur mam ha milioni ut o muni a wono amo ki te ta pro fofa o yo no te tata I dai te fore tamara ve nei I to ta ere ane e pe at ora fore tamara te ap a o ai te ne te ti ei nora te mau fatu fore tam ar aia tata I hia te ne uha mata I moni reira ha mau ar a piti hauruma toru milioni hauruma au milioni a mohia I te mau tai e te paruru e pa milioni na te hau whenua hareroa rata tu e whare atu ia Lorenzo Marama no te muha papura.
Oye mau e shikita, oi te tātou, oi te apeno e pere reimari anei, tupu ai tēne ati au hei onei, tō ata anei, wā papa aroa e te tāpo i hoare o tēnei mō whare tamara ai onei. Piti ahuru mātoru miri onei, te whauwa ai e titau hiara no te tata ira. Ua taere tēne tata ira no te mea, wā paripari hāre no arapa i te motei e te pāruru e te hina aro e o whau tara tara tuwa moni. Te papura te imahana, ahuru mātoru miri onei, titau hiara to o whau no te tā whaapira ai e tēnei tāpo i hoare e ni eho. E ahuru mātoru e pamirioni e toera na te whenua ia e amo atu no ki tata ira ai e tēne o hai. Trari mo parauni ne whahiti i tēne teime, hapapura hopea te awa e tiunu i muri nei tato e tāma awa hoia i o nei. Iau tu hapapura i horohia mai, ya? O ia maruru mai tei marama, mi te pau e iriti no atu tani ni mo ia maua, si kita mato te hare tāma. Opo ni roara si kita tatau o fifo. O ia maua, te pepeine ia te wawor ahia te maua hohoa e hi upuahia e te tumite te anuatu atu i te nun atua e hare atu e mat eitei. No o te raria mai, au te arua, vanuatu, taratoni, no te whenua purutia roatua mai. Aharu mape atuara hohoa, toroto i te tataura, aharu e maiva, toroto ia i te hi upuara, e te e tupu te fifo mai te aharu maho e te atu i te aharu mahitu. No februari e hem ohi atato, peretiteni hia mai, te i e tomite e Greg Germa. Trahoma, hoperot e whanor a, maruru e parhei. Maruru mei teise kita monire tato wharere wahua e, no te tei atua mo e no te hepito mai murine, no te mea anana ina trem tato, arere atato, toraro, ngaua, oenene, har tato, tatato manini. Jean Yorana. Yorana. Alors vous représentez l'association SOS Suicide qui sera aussi présente lors de la manifestation organisée pour la vie, hein, organisée par le collectif polynésien pour la vie. Donc vous, vous allez communiquer quoi sur place? D'abord nos meilleurs vœux pour la population qui nous regarde. Donc effectivement nous sommes associés en partenariat avec cette manifestation, effectivement ça parle de la vie. Nous traitons plutôt un sujet très délicat. Donc nous souhaiterions par cette manifestation être présents et puis recevoir le public qui s'interroge actuellement dans un moment de passage de leur vie assez difficile où nous pourrions éventuellement les accompagner et puis les tenir informés ou les familles qui sont interpellées par ce sujet important pour venir s'informer et surtout diffuser des moyens d'aide. Oui. La dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, d'ailleurs, c'était pour parler de formation. Il y en aura aussi en 2013? Oui, tout à fait. Nous avons pour cible les communes de la Polynésie. Nous souhaiterions élargir un peu nos champs d'action par des cellules d'intervention, par des réseaux de partenariat, effectivement. Avec éventuellement d'autres associations, c'est ça? Tout à fait. Mmh. Nous souhaiterions nous unir dans nos dans vos actions, dans en nos fait. Actions pour être, apporter la complémentarité des moyens dont chacun dispose. Voilà. Comment fonctionne en fait l'association? Est-ce que vous intervenez, je sais pas moi, à la maison, une grosse dispute éclate et puis mon mari ou mon conjoint, peu importe, menace de se suicider. J'appelle SOS Suicide et vous arrivez comme une ambulance, c'est comme ça que ça fonctionne ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. Nous n'avons pas vocation à nous déplacer. Il y a certains membres qui se déplacent pour des personnes qu'ils connaissent, bon, soit des proches ou des amis très proches, mais nous n'avons pas vocation à nous déplacer. Vous faites de l'information en amont, en fait, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'information viennent vers vous. Tout à fait. Les personnes qui sont un peu par méconnaissance ou qui sont démunies de moyens, nous sommes là pour les aiguiller en quelque sorte, pour passer un relais par des structures. Les diriger adaptées. Vers les bonnes personnes. Exactement. Juste une ou deux règles comme ça pour faciliter votre intervention au niveau de la SOS Suicide. Quant à la maison, j'ai un enfant qui a parlé déjà de suicide ou quelqu'un de la famille. Quelle est la meilleure réaction à avoir? Quelle serait la meilleure réaction? Lorsqu'une personne, parfois, ils font des allusions au suicide ou sont vraiment... Par exemple, si tu me quittes, je me suicide. Ça, c'est dur hein, à entendre. Donc, comment on réagit? On a eu des cas semblables. Hein. Effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Donc, lorsqu'une personne fait allusion ou dit qu'il va se suicider, bon, il ne faut pas prendre à la légère. Il faut ouvrir le dialogue, rentrer dans la compréhension du terme utilisé de suicide,
Parfois même parler du suicide avec cette personne-là, il ne faut plus que ça soit tabou. D'accord. Il ne faut plus que ça soit tabou. Il ne faut pas qu'on ait peur d'en parler avec la personne qui menace de se suicider. Hein. Tout à fait. Voilà, de poser des questions. De le dialogue et puis d'être dans la compréhension de l'expression de la personne. Ne pas renier ça. Ne pas faire comme si on n'avait rien entendu. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez rejoindre toutes les associations qui seront sur place lors de la journée pour la vie. Ce sera ce samedi 19 janvier à partir de 9h du matin, place Vaïété. Ce sera jusqu'au soir parce qu'il y aura aussi une série de concerts à partir de 14h l'après-midi. Et autrement, il y a une page Facebook, c'est Association SOS Suicide Polynésie. Il y a aussi une autre page sur laquelle vous pouvez aider, c'est Solidaire à SOS Suicide. Un site web, c'est sossuicide.pf. Et puis le numéro vert, le 444-760. Merci Jean, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voudrais revenir sur le Facebook. Hein. Donc, nous sommes en pleine discussion avec les membres de l'association parce qu'il y a un petit bis-bis. C'est quoi? Il y a beaucoup de réserves au niveau de Facebook. Nous n'avons pas donné l'aval de l'utilisation de Facebook. Ah d'accord, donc ce n'est pas des pages qui sont gérées par l'association, c'est ce que tu veux dire? Non, parce que le bureau a été bien clair. Donc, on doit se réunir avec les intéressés dans les jours à venir. Pour que vous ayez le même langage. Tout à fait, parce que c'est un domaine qui est assez particulier. Bien sûr. Très bien. Et autrement, vous allez sur le site sossuicide.pf. Merci Jean. Jean, maroulou m'a été de faire rire. Et tu m'as dit à vite aux gens. Tout à l'heure. Allez, Jean, tu es pas été attiré à SOS Suicide. Et fais-moi te dire que tu es tout au noir. Et vous êtes 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 au noir. Te topo a tudo aí do tudo te raul ao tomo vivi na rede ao ir o ia mal teria mal te ao e te tau ora te ta atira e mir a etra e no te ap er ane arte ir ane no to te temo tu a teu ane to ane temo tu a eta rede ane ir to tona raul a te dia toma ta mal to fa Jean, te vei da te temo hoa e tu tau tu ta atira e mo tau te tu ati mai na rede ao ir por o ere e putata nei nei Era verei mo ta ta mar, ha? Tu tonu ne ratu ni te tum pro. O ya mau. Ha mau ra hemet eta tiran nur to mai mo pra ti au tu tu amai. Mo pra to te manawa. Mo pra tu ati mai e ha ane rutot e mo tu a. Te nei wa a ano hia. Te eta tiran nar to e te or amai mo pra ti amitu ane. Te tino tibirane iroto mo tata to te hi aine e a ho mai to ra to te mai. No te tau turu rā te emo whea, ti reor to te poipo to tora to ora rā. Te te hiapo puru ai Jean, te ia tāti rā tau tu, i te rā tu hare nā tu ti te motu, a oire nā ti te mo mutu. Eita, nā te tata no nā tara whiwhi hare mai au tūra. Eita, e hapa putu o, te tere ne mātou roto tara motu a oire a toa, roto motu a mutu, no te awha ira te te mo pra rāwe a roto i a rato, e te amau rā te te mo pra pū, mo pra pupu, i roto te reo motu a tā atoa, no te e vai piri no rato to te mo fea i horo onei te mo fifi. Te ene mo pra utu awhare ti i orto tra fifi, te vera ta mato ni niu ru. Te rai am ha ahoru ma amha. Ha ahoru ma hitu? Hitu hanere on ahoru ma hitu. Tra numara u... Matie, ya? Matie. Muni, numara ta muni ore tra. Nenhe rato ni niu mai, tua mata mo ta mata e rawe faro ai te he poi porto e arato te ta tu no ta mata ra at pro no te me ke ai au a ti te mano jo me ar hidra mo ta te har ha poi da to te par hai te ha tu tari o waro to o ya o rto ta mata ara o te mata mo moare o ro a hope amal teti ti ri da hira e area te dia e o te firto te ora au tu awhare o mo tata ato. Te dia to mo area, me reit mo hea ni niu mena ia mātou. Te rote au e māti. Mo hion e, tupatupar i, e mara awa hau mo awa e, e whawhai ara hapira. Maruru mi te iso hamono trupo e hare ni o tu mi te mai au e. Te veira hoa tu mai au e o mamama, e ue te veira hoa o whanawhanari na. Aera, te dia tau marakara numerenia. Maruru Jean te hara amai. Te wera pati te mo rau e tu. Nā utu nō hopa e whiru, mi te pai ue, riri to oe tā e hene. A mo toki tu mai ia. Mi te pai oe tō mama, riri oe tā e tāne. Tāri te paramu ni ane te awa. Awa, o te tāra tātou ni e tātou mani ni hopa e gaua tauraro e tāngui mai.
Alors, nous avons un invité, pas comme les autres, j'ai envie de dire. Il vient de loin, celui-là, du Canada. Et vous n'êtes pas venu avec le... du Québec. Prenez votre du micro. Québec, du, voilà, Québec, du Québec, j'insiste. Ça, c'est différent. Ça, ah, d'accord. Oui. D'accord. Alors, vous venez du Québec. Voilà. Vous êtes arrivé hier matin. Et oui. Et vous êtes là pour quelques jours. Après 25 heures d'avion. Oui, c'est vrai. Il faut mériter de venir en Polynésie, vous savez. Oui, ben ça va, je suis content d'être ici, ça va. Ah bah, tant mieux. Oui. D'autant que vous allez donner une série de conférences, d'ateliers, oui, de séminaires. Oui, pour les trois prochaines semaines, il va y avoir plein d'activités de week-end, les soirs, conférences, mini-ateliers du soir. Mmh. Alors, voilà. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez écrit plusieurs ouvrages, et c'est notamment ça. Le grand dictionnaire des malaises, oui, et des maladies, voilà. Vous l'avez apporté avec vous. Voilà. Certains médecins travaillent d'ailleurs avec ce dictionnaire pour leur donner quelques clés un petit peu. Alors, Naïk, ce n'est pas un dictionnaire médical, mais non. Plutôt sur la métaphysique des malaises maladies. Absolument. Alors, c'est les pensées, les sentiments, les émotions qui ont amené le conflit à manifester la maladie. Mais ça ne met pas en cause ou de côté, en aucune façon, le secteur médical. Les traitements, oui, non, bien sûr. Non, mais ça peut se faire en parallèle. Absolument. Voilà. Alors, il y a une conférence que vous allez donner demain soir. Oui. À l'hôtel Manava, ça va commencer à 18h30. Et alors, cette conférence, c'est outils d'intégration et de transformation. Ça veut dire quoi? Alors, on va parler des 8 exercices de ce livre. Alors, dans ce livre, il y a 8 exercices. Je vais en parler pendant la conférence et le week-end qui suit, samedi, dimanche. On va expérimenter les 8 exercices de ce livre. Donc, j'invite le plus de gens possible parce que je vais donner des outils, et non pas juste faire de la pub pour le séminaire d'après, des outils qu'ils vont pouvoir utiliser chez eux et pratiquer et aller chercher plus de mieux-être ou plus d'espoir aussi. Parce que j'entendais tout à l'heure par rapport au suicide, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Quand je vois des jeunes de 14, 15, 16 ans, 18 ans, ou même des personnes âgées aussi qui se suicident, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. On ne voit plus d'autres solutions. Voilà, c'est ça. Hein? Alors, si on trouve des solutions, si on améliore notre bien-être, ben l'espoir revient et on peut continuer à trouver, à être plus heureux dans le fond. Parce que tout le monde, on recherche à être heureux. Alors, vous parlez de 8, ça veut dire qu'avec quand on connaît ces 8 clés, on devrait aller tous mieux? Sensiblement mieux. Oui, c'est prouvé. Moi, j'ai une formation, Lénaïque, comme ingénieur électricien. Je suis pratique. Hein? Oui, d'ailleurs, je vais vous réinviter. Oui. On parlera un peu plus en détail de votre cursus. Ma marque de commerce, Lénaïque, c'est l'efficacité. Hein? Et je donne des choses très, très pratiques. Souvent, un exemple sur ces 8 clés que vous allez donner à la conférence de demain. Alors, une clé qui est très facile, un exercice qui est très facile, c'est de dire merci. J'ai un accident d'automobile, qu'est-ce que je fais? Je dis merci. À qui? Merci. Merci à l'univers. Alors, ça me garde dans l'ouverture, hein? Autrement que d'être dans la frustration. Et souvent on veut contrôler des choses dans notre vie. Hein? Si je me referme, je perds le contrôle. Si je reste dans l'ouverture, j'ai plus de chances de garder le contrôle et d'être conscient du pourquoi cela m'arrive. Alors, il y a un principe fondamental qui est la loi de la responsabilité totale. Oui, je peux être un feu rouge, on me rentre dedans. En quoi je suis responsable? Eh bien oui, on le trouve. Et même les morceaux de l'automobile qui sont affectés, je peux dire à la personne qu'est-ce qu'elle vit dans la vie et ça se prouve. Donc, ce sera le sujet de votre prochain livre. Après le grand dictionnaire des maladies et des malaises et des maladies, oui. Vous allez faire un dictionnaire, pourquoi pas, hein, pour aider les gens sur ce qu'ils vivent au quotidien. C'est-à-dire à la maison, il y a la machine à laver qui fuit, il y a un message. Oui, mais déjà, dans ma maison d'édition, ça va être en réédition. On a un livre qui s'appelle Mon auto, miroir de ma vie, qui explique toutes les trucs par rapport aux automobiles, quand telle chose brise ou pas, qu'est-ce que je vis dans ma vie, voilà. Alors, c'est la première fois que vous venez en Polynésie? Oui, je suis arrivée hier matin, oui, voilà. Et alors, désolé pour la pluie, mais remarquez, non, c'est un va. Signe de bénédiction. Hein. Bon, voilà, on est très bénis de ça, là. Donc, vous entendiez parler de Tahiti de quelle manière quand vous étiez au Québec? À Québec? Ah, ben c'était un peu tôt, je sais pas, entendre parler ou... C'est plutôt comme un rêve où on se fait des idées ou quoi. Ben, je suis content que ça puisse se manifester. Surtout que je suis en train de me retirer du domaine. Alors, depuis vous décembre. Vous allez passer la main, alors. Depuis décembre, je ne fais plus d'ateliers réguliers en Europe.
Alors, j'en ai fait pendant 8 ans. Je n'en fais plus. Alors, je viens ici, qu'on en profite. Du moins, les conférences, c'est gratuit, c'est ouvert. Venez voir. Vous allez en donner plusieurs. Hein. Alors là, on a parlé d'outils d'intégration et de transformation. Donc, demain soir à l'hôtel Manava à partir de 18h30. Il y en a une autre sur la reconnexion, une autre qui s'intitule la relation d'aide ou encore la technique d'intégration par le cœur. Ça, c'est une technique que j'ai mis au point qui permet de guérir des blessures en une seule séance. Voilà. Et puis, comment être à l'écoute de sa conscience. Toutes ces conférences sont gratuites. Voilà. Et autrement, vous allez organiser aussi des ateliers. Alors, dans les ateliers, il y a les relations d'aide. Qu'est-ce que vous appelez une relation d'aide? Comment être capable d'aider mon prochain facilement? Parce que je peux avoir mon frère, un ami, tout ça, qui est en difficulté et je sais pas quoi faire. Ah, d'accord. Je sais pas comment l'aider. Comment être à l'aise avec ça? Parce que je suis proche de cette personne-là. Eh ben, pour avoir plus d'infos, vous allez sur le site www.atma.ca. Il y a un numéro de téléphone ici pour vous inscrire aux ateliers ou aux séminaires parce que les conférences, elles sont gratuites, donc pas la peine de s'inscrire. C'est le 248-779. Et Jacques, j'espère que vous reviendrez sur ce plateau la semaine prochaine pour qu'on parle un petit peu plus de ce que vous faites parce que vous êtes maître Reiki. Ça, les gens connaissent un petit peu plus. J'invite les thérapeutes et même les médecins à venir. Ils vont être, ça va être plus abordable pour eux avec leurs clients. Voilà. Parce que jeune. Merci beaucoup. Et j'espère que vous serez libre la semaine prochaine pour revenir sur ce plateau. Merci Jacques. Oh, merci, au revoir. Et il me reste le temps de faire des dédicaces. Il faut que notre script me dise oui ou non. Restez avec nous 2 minutes, Jacques. Non, pas le temps? Teiva Marcel qui fête son anniversaire et qui est du côté de Paella. Il y a aussi Christina qui nous a envoyé un petit message pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa sœur Mateata. Teiki Hakaupoko pour son anniversaire, plein de bisous. Un anniversaire aussi à Manunu, Vanina, Mataya, plein de bisous partout de la part de Heitao Annie. Et puis voilà, on se termine, on se donne rendez-vous demain. Voilà, pouh, comme dit Mario ou les caméramans derrière. Gros bisous, à demain pour le Farima Ohibrang. Merci Mario, merci.